Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Là, vous vous dites, mais Coty, pourquoi tu commences cette vidéo sur ce fond avec une alerte, félicitations, vous avez remporté 750$. Eh bien, pour la simple et bonne raison, en fait, je ne savais pas trop quoi faire aujourd'hui en vidéo. Je n'ai en stock, hein, mais je voulais faire une autre vidéo. Et j'ai vu que Bay100K sur Twitter avait mis que beaucoup de personnes recevaient des millions. Pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment cherché à comprendre. Il paraît que c'est un remboursement de véhicule ou de ce que tu as acheté auparavant, etc. Je me suis dit, moi, Nasserou, je joue à GTA sur PC depuis le premier jour qu'il est sorti, là on est sur PC. Je joue aussi sur PS4 depuis le premier jour. Je joue sur PS3 depuis le premier jour. Et vous pouvez voir que sur PS4, j'allumais la console, je me suis dit, bon, c'est peut-être sur PC, ça respecte pas, c'est pas grave, je peux comprendre. J'ai allumé la PS4, et à votre avis, on m'a offert combien? Parce que moi, j'ai vu sur Twitter les gens, les petits abonnés de Bay100K, j'ai gagné 2 millions, j'ai gagné 2 millions 5, 1 million, 700 000, c'est bien! Mais moi, 750$, je peux acheter quoi avec 750$ sans GTA? Rien! Je peux rien acheter! Et bien, sur PS4, pour ceux qui auront trouvé, bah, félicitations, on m'a encore moins respecté, je vais essayer. Voilà, les petits lots, on est sur mon compte, hein. Vous connaissez les bails, Nasserou, c'est Bibi. Voilà, on va dans le jeu et on voit qu'on m'a donné, et oui, si vous voyez pas très bien, 697. 697 fucking dollars. C'est la folie. C'est la folie. Parce que oui, voilà, j'ai fait un petit montage, donc à chaque fois que je déplace la cam, c'est un petit peu galère, ça va vous donner la gerbe. Vous aurez l'impression d'être dans un grand 8 et tout, de dégueuler. Mais franchement, on me respecte pas. On me respecte pas. Je joue à GTA sur PS3 depuis le début. Vous étiez peut-être comme moi sur PS3 dès le début, c'était le 1er octobre, à essayer de te connecter. T'arrivais pas parce que le serveur était en PLS. C'était du grand n'importe quoi. Attendez. Hop, c'est bon, on est sur l'online, tout va bien. Et toi, arrête de me klaxonner là, c'est bon. J'avais pas envie de faire cette vidéo à la base, j'avais pas de vidéo prévue. Mais je me suis dit, hey, Nasser, tu vas parler, tu vas conduire, tu vas faire tout et n'importe quoi. Parce que là, il faut m'expliquer le comment du pourquoi. Qu'est-ce que cet argent déjà, hein, s'il vous plaît? Parce que je sais que vous, mes petits loups, vous êtes fins connaisseurs. Généralement, vous aimez bien checker les infos, aller savoir le comment du pourquoi. Et je suis sûr que, bah, au moment où la vidéo sortira, vous connaîtrez. Ok, un petit stunt avec mon corps. Moi, je suis une personne, je ne stunt pas avec le véhicule, je stunt avec mon corps. C'est une façon différente. Qui est, ma foi, très élégante. Le mec essaie de se rassurer. Mais franchement, pour les deux, j'ai gagné. Merde, je vais mourir. Ah non, ça va. Une pacotille. J'ai limite envie d'allumer la PS3 pour savoir combien ils vont me donner. Vraiment, je me sens pas respecté. Parce que moi, j'ai vu, comme j'ai dit, hein, les abonnés de 100K et tout, avoir pas mal de thunes. Je me suis dit, ah bah tiens, ça va être bien pour moi, tu vois. Peut-être me payer une petite voiture, une petite moto, ou tu vois, faire le plein de provisions, enfin, faire quelque chose. Eh ben non. Eh ben non, Nasser, tu ne feras pas le point de provision, tu feras rien. Tu ne feras rien du tout parce que, voilà, parce qu'on ne te respecte pas. Donc franchement, je l'ai mal pris. Je vous jure, quand j'ai allumé, je m'attendais à avoir peut-être, allez, 1 million. Sachant pas le comment du pourquoi on nous donne de l'argent. Hein. Je me dis, tiens, on va nous donner tant d'argent. Et là, quand j'ai vu ce qu'on m'a donné. Excusez-moi, messieurs, dames. Ça m'a attristé. Ça m'a vraiment attristé. Je vais voir un psychiatre. Je vais prendre rendez-vous parce que là, ça va mal. Donc n'hésitez pas, vous, en commentaire, à allumer votre console, allumer votre PC, votre PS3, PS4, Xbox One, et me dire combien vous avez eu. Ne mentez pas, que voilà. Après, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, pour savoir qui est le plus ou qui est le moins, bah, t'en as qui vont dire, ouais, moi j'ai reçu zéro. Moi j'ai reçu 50 millions. Ne mentez pas. Mentir, c'est mal. Vous savez. Tiens, on va essayer de passer. Oh, oh là là, oh là là! Non. C'est pas grave. Oui, je vais faire des ouloulous. Je vais parler, j'ai un petit peu mal aux yeux d'ailleurs. Pourquoi? Bah, je sais pas. Voilà, comme ça, j'ai mal aux yeux. Ça m'arrive par moment, pourtant, je joue pas beaucoup en ce moment. Pour être totalement franc avec vous. À tout, hein, je parle pas forcément que de GTA. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Il me semble que si je dis pas de bêtises. Nice. C'est les vacances pour deux zones. Il me semble que la zone parisienne n'est plus en vacances. Elle a repris les cours. Depuis mardi. Là, on est jeudi. Vous avez repris. Les Belges aussi ont repris. Parce que bah, mon neveu maintenant habite en Belgique, du coup il m'a dit qu'il a repris les cours, tranquille. Après. Ok! Je sais pas si. Comment ça s'appelle? La Suisse a repris, etc. Je connais pas du tout par contre les vacances des Suisses.
Et voilà, je sais que la zone Lyon, etc., eux, ils viennent juste d'être en vacances. Du coup, ils ont à peu près encore une semaine et demie, ils vont bien profiter. Ils ont bien raison. Il y a une autre zone, je crois que c'est peut-être le Nord, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que je me trompe, hein, je connais pas forcément tout à 100%. Bah, il en reste quelques jours, donc profitez. Parce que si vous profitez pas, bah, quelqu'un le fera à votre place. Eh oui, c'est un dicton. Moi, personnellement, je vais vous donner mes astuces pour pas vous prendre la tête. D'accord. C'est que je me dis, vous reprenez les cours, c'est prise de tête, je comprends. Mais dites-vous juste une chose, bah c'est que dans les 2 mois, c'est les grandes vacances. Vous allez pouvoir profiter encore plus. Vous allez pouvoir mourir, hein. Vous allez pouvoir bronzer, prendre des vacances, aller en colonie, faire plein de choses, des choses que vous aimez, des choses que vous aimez moins. Parce que bah, c'est vrai que quand on va en vacances, si on y va avec nos parents, c'est des fois une destination qu'on a envie d'aller, mais des fois c'est nos parents qui nous obligent à aller avec eux, parce qu'ils nous disent « on va pas te laisser tout seul à la maison, tu rêves, tu vas faire n'importe quoi, tu vas inviter tes copains et tout, ça va partir en cacahuète. » Voilà. Après je parle pas bien entendu des gens qui travaillent, parce que je sais qu'il n'y a pas que des enfants qui me regardent, pas que des adolescents ou des jeunes hommes, il y a aussi des hommes et des femmes. Et bon, bah, bonne chance, hein, bonne chance dans le monde du travail, surtout que c'est vrai que c'est assez chiant de travailler... quand il commence à faire bon, en fait. Là, on est au printemps, et il commence à faire un petit soleil, genre 20-25 degrés et tout, et ça, c'est le pire, parce qu'il fait pas trop chaud encore, il fait bon, tu vois, et t'as envie de sortir, t'as envie de te promener, t'as envie de faire un pique-nique, ou faire du Pokémon Go, pourquoi pas, pour ceux qui se sont pas arrêtés, ou ceux qui veulent reprendre, parce que c'est toujours sympathique de jouer à Pokémon, même si les gens, voilà, ils parlent mal de ça, mais c'est bien, tu sors, tu chasses des Pokémon, tu rencontres des gens. Moi je trouvais ça cool, franchement Pokémon Go, on va en parler un petit peu vite fait, moi j'aimais bien, parce que ça me faisait sortir, je m'amusais un peu, je rencontrais des gens, que je connaissais pas, hein, mais des gens que j'aurais jamais parlé dans la vie, parce que bah je suis pas quelqu'un qui parle aux gens comme ça, que je connais pas, genre bonjour, non, ça va, t'as attrapé quoi, nanana, et ça fait la discussion, vraiment, c'est même moi ça m'étonnait, parce que les gens venaient me parler et tout, t'es tranquille, hein, normal, bonjour, alors c'est quoi comme Pokémon que vous avez récupéré, on va mourir. Et c'était très très bien, voilà. Pokémon Go, ça va reprendre, je pense que vu que... Enfin, s'il vaut pas n'importe quoi. Même si je sais que beaucoup de personnes ont lâché entre-temps, ce qui est normal, parce que pendant 6 mois, il n'y a pas eu grand-chose. Tout le monde voulait la deuxième génération, mais s'ils nous balancent une génération tous les 2 mois, au bout d'un an, le jeu, il est fini. Je pense pas que c'est le modèle économique qu'ils souhaitent. Voilà, c'est pas le modèle économique. D'ailleurs, ma petite moto, allez, viens, s'il te plaît. Donc oui, c'est vraiment une vidéo où je veux savoir comment vous avez eu, en fait. Je veux savoir combien vous avez eu, là, ça fait combien de temps, ça va. Je veux pas que les deux soient trop longues pour pas vous prendre la tête. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale demain, mais je vous en parle quand même là, on sait jamais si vous regardez pas la vidéo de demain. Est-ce que ça vous intéresse? Une petite vidéo vlog, nos prises de tête, parce que je pars ce week-end, enfin même, je pars demain, alors où je vous... Enfin, la vidéo de demain, quand on sera posté, bah finalement, je serai déjà parti. Je pars vendredi vers les coups de 13h, à Central Park, à celui... qui est pas là de Soissons et de Reims, si je dis pas de bêtises, celui qui est un peu au nord de Paris. Et en fait, c'est pour vous demander si vous voulez quelques vlogs, ou peut-être un vlog qui fera un best-of de tout ça. Pourquoi? Parce que, bah, pour vous faire, pourquoi pas, visiter le cabanon, je crois que ça s'appelle un truc comme ça, là. Pour vous faire visiter tout ça, pourquoi pas vous fêter un petit vlog en mode barbecue, parce que, voilà, bah, on va faire de la barbecue, etc., ça peut être cool, voilà, la malbouffe, etc., vous aimez ça, hein, je sais que vous aimez ça. Vous êtes fan de ce genre de choses, donc si vous voulez un petit vlog, ça changera du gameplay. Et même, de toute façon, j'ai remarqué avec vous, de base, vous aimez les jeux vidéo, mais il y a un truc qui nous réunit tous, bah, c'est les vlogs de bouffe ou de n'importe quoi. Vous vous sentez plus ciblé parce que bah, un jeu, par exemple GTA, ça va cibler ceux qui aiment GTA, le catch, ça va cibler ceux qui aiment le catch, mais la vie, ça cible tout le monde. Voilà, c'est voir Coty manger des grosses merguez et tout, c'est n'importe qui. Peut regarder et apprécier, tu vois, c'est le principe. Oulala! Donc, ce sera vous de me dire si vous voulez le vlog. De toute façon, je ferai une vidéo demain pour ça. Pourquoi pas une autre vidéo sur GTA où cette fois-ci j'utiliserai le BMX. Je m'amuserai un petit peu sur le mode online. Ok, ok, respect. Par contre, encore une fois, pour ceux qui demanderaient du RP, je suis en train de tester des serveurs. Hein. Je suis en train de tester des serveurs de Abraham Lee, notre personnage. Je suis en train de préparer ça et tout. Mais pour l'instant, en fait, à part, comme je dis, le serveur de Faye Levy. Y a pas grand chose. Y a vraiment pas grand chose de concret. Hein. C'est-à-dire que les gens font des copies de Faye Levy, Lowai qui joue par exemple pour situer que lui. Mais le problème c'est que bah, par exemple t'as les stations essence, t'as les super et tout, mais tu peux rien faire dedans en fait.
C'est qu'ils ont pris les choses, mais pour l'instant, c'est... Oh, putain de... Ah ! Non ! Non, ma moto ! Non, mais non, mais pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi ma moto ? Mais... Stupide animal ! Stupide animal ! Bon, attends, est-ce qu'on pourrait commander une moto ? Une moto, s'il vous plaît, pour Bibi ? Un tracteur. Klaxonne pas ! Je suis un chien. Alors, est-ce qu'on a une moto ? Bah tiens, il y en a un coup, moi, ça fait longtemps. Donc oui, je sais pour le RP, hein, je sais, je suis hype et tout, je suis pressé, mais on va attendre de trouver des bons serveurs. Mais peut-être que je vous ferai des best-of en attendant, des serveurs que je rencontre, parce que c'est souvent l'anarchie, c'est souvent n'importe quoi. Du coup, bah, je vous ferai des best-of juste pour vous montrer que je cherche, et que bah pour l'instant, c'est pas tip-top. Parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, mais Coty, tu dis ça, mais t'as rien testé, c'est pas vrai et tout », bah vous verrez que si, c'est vrai. Mais oui, c'est ouais. Ouais, bon, avec la coma, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Oh, Malk, Malk, Malk. D'accord, réveille-toi jamais, ça ira si tu veux. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, profitez de vos vacances, profitez des cours. Parce que franchement, j'ai envie de vous raconter ma vie un peu et je vous raconterai souvent parce que j'aime bien. Voilà. Mais profitez de la vie, profitez des cours. Parce que franchement, le jour où vous allez travailler, même si vous faites le boulot que vous aimez, hein. Bah sachez juste une chose, c'est que vous avez 5 semaines de vacances dans l'année, hein. Déjà juste les grandes vacances, ça vous fait les vacances de l'année quand vous travaillez. Donc des fois je vois les étudiants, même moi j'étais de ceux-là, hein, quand j'étais au collège, au lycée et tout, de me plaindre, ouais, on n'a pas assez de vacances, oh c'est trop court, nanana. Mais crois-moi, quand tu travailles, tu comprends la vie, tu comprends tes erreurs, et tu comprends les gens qui disaient, profite de l'école. Parce que... Là, je vais vous dire ça, mais vous allez dire, mais non, je préfère travailler, faire ce que j'ai envie, gagner de l'argent et tout. Mais vous verrez que quand vous allez être adulte et quand vous allez travailler, et pour ceux qui sont adultes, bah, comprendront ce que je dis, bah, vous allez regretter l'école. Les bonnes barres de rire avec vos amis, les mauvais moments aussi, parce que c'est ce qui nous forge notre caractère, hein, c'est ce qui nous fait, enfin, c'est ce qui nous rend comme on est, finalement. Salut! Et voilà. Donc vous verrez, désolé si je cligne pas mal des yeux, j'espère que ça se voit pas trop par rapport à la caméra. Comme je dis, je sais pas. Avant de faire cette vidéo, j'allais très bien. On va aller à la base. Avant de commencer, j'allais très bien. Et là, j'ai commencé. Je crois que je me mets un stress, en fait. Enfin, je crois que c'est ça. Vraiment. Je crois que je me stresse tout seul. Je crois que c'est ça, en fait. Vraiment. C'est-à-dire que je... Dans ma tête, je me dis, je vais sortir une vidéo. Je vais la capturer, je vais la faire... Et que dans ma tête, bah, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Et voilà. Je pense que c'est ça. Hein. Que je vois pas. Vite. Vite, 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 vite. Air Force One, Air Force One. Ici, le commandant en bord. Le commandant en bord, oui, le commandant en bord. Je répète, il y a le tank. Le tank, s'il te plaît. Me tire pas dessus. Fuck you, le tank. Allez, on se retente. Une dernière attaque de base militaire. On essaie de prendre l'avion de chasse. C'est mon dada, vous savez très bien que j'adore faire ça. Je sais que souvent je fais les mêmes choses, mais quand t'aimes quelque chose, bah il faut le faire. Moi ça je peux le faire, enfin je pourrais faire des vidéos tous les jours comme ça. Côté attaque de la base militaire. Et vous verrez qu'au fil des jours, bah, il n'y aura aucune évolution. Moi ça me dérange pas, hein. Si vous en voulez une tous les jours, je vous la fais, hein. Y a pas de problème. Et j'adore faire ça, même des fois je joue hors vidéo pour m'amuser, hein, parce que... j'aime GTA de base. Et ouais, je joue comme ça et je m'amuse. Et c'est très plaisant. Voilà. Tiens, on va aller dans le hangar. On va aller dans le hangar, comme ça on pourra peut-être se cacher. Allez, cet atterrissage. Non mais what? Vite, ma cochonne. Barre-toi. Arrêtez de me tirer dessus. Je suis une cochonne orpheline. S'il vous plaît, en plus j'ai un beau jean. Arrête de me tirer dessus. Arrête. Soyez mignon. S'il vous plaît, non mais le tank. S'il te plaît. Voilà ta mine. Merde, mais pourquoi? Mais what the hell. Je cours. Bon. Ça veut dire, Nasser, arrête la vidéo. T'en as trop fait. Mais si vous voulez des attaques de base militaire, moi je vous ferai grand plaisir. Là, vraiment, ce que je veux savoir, c'est combien vous avez eu.
Est-ce qu'on vous a respecté ou est-ce qu'on ne vous a pas respecté? Et surtout, de savoir, petite gorgée. C'est pas mal. Je suis en train de tester un Lipton Iced Tea. Oui, c'est pas du placement de produit. Hein. De toute façon, on s'en fout, même si c'est du placement de produit. C'est du Lipton pêche abricot. Moi, j'ai vu ça, c'était nouveau. J'ai testé. Moi, j'aime bien la pêche, j'aime bien l'abricot. Du coup, faire moitié-moitié, bah c'est bon. C'est con comme principe. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire d'où vient cet argent. Pourquoi on m'a pas respecté? Pourquoi on ne m'aime pas? Mais vous, vous m'aimez, donc c'est le principal. N'hésitez pas à laisser un petit like, bah, si vous m'aimez bien. Si vous m'aimez pas, bah, je sais pas ce que vous faites ici. Voilà, c'est con, c'est comme ça. Et puis sinon, bah, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!